expect flood in 2 minutes. Vaporeuse idéologie, agite tes lumières, souris au monde. Dents pointues qui mordent la chair de tes émotions. Tu sens la douleur du monde sur ta peau brûlée, sens le kérosène. Immonde qui coule dans tes veines. Haine du drapeau qui flotte sur les toits des révoltes des incendiés. Et trouve les mots durs qui mettent des clous douloureux en travers de ta gorge. Chuchote quelques berceuses à l'enfant qui naît pour que cervelle s'endorme. Bah, racontez-moi ce qui s'est passé. Je jouais dans la rue et donc il y avait de l'animation sur Grand Place. Mm-hmm. Comme l'animation reprenait, parce que c'était toutes les heures, donc j'ai entendu que la musique reprenait, donc j'ai arrêté de jouer moi-même pour pas perturber. Et donc pendant que j'étais en train de remballer, j'avais ma caisse à donation à mes pieds. Un homme qui est venu me parler pour me dire qu'il avait apprécié et tout. Et en fait, il avait des amis qui étaient juste derrière, que j'avais pas remarqué et qui, pendant que je parlais avec lui, ils ont profité. Ils ont juste attrapé la boîte qui était à mes pieds et ils sont partis en courant avec. Et ben, le jeune homme avec qui je parlais, juste après que ses amis ont attrapé la boîte, il est parti avec en courant. Il faisait partie de la bande. Ouais, et en fait, voilà, ils m'ont juste volé tout ce que je venais de gagner dans la journée. Et donc, je pouvais pas les attraper ou quoi, vu que j'avais mon accordéon, je peux pas trop courir avec. Voilà. Et vous voulez déposer plainte maintenant? Non, mais juste les signaler. Ok. Vous avez une autorisation pour jouer là-bas? Non. Dans la rue? Non. Parce qu'il en faut une. Vous êtes au courant de ça? Non, je savais pas. D'accord. Il faut une autorisation pour jouer dans tout le centre de la ville. D'accord. Ok.
faire quoi? Je vais faire des pâtes avec une salade. J'ai encore de la salade dans mon frigo aussi. Hein. Une moitié. Qu'est-ce qu'il y a? C'est juste que ça fait 10 heures de jeu que j'étais à level 1100, etc. Bon, Lise, c'est un jeu, hein. Ouais, mais merde. Je suis désolée, ça faisait du songe. Il fallait juste que je réécoute des accords que je maîtrisais plus. J'ai juste ouvert le dossier quand j'ai mis en route ma musique. Le jeu, il s'est remis en route et j'arrivais pas à enlever le son. Du coup, j'ai essayé de le réduire, ça voulait pas s'enlever. Je l'ai fermé. Je savais pas que ça n'était pas enregistré. Mais bon, c'est un jeu, ça va. Bah écoute, c'est quelque chose que je peux... Ok, je le fais pas. Bon, je répétais pour tout à l'heure. Je suis désolée. Je suis désolée si je te l'ai fermé. Donc j'avais 7 ans quand, pour la première fois, j'ai fait ce rêve. C'était un peu étrange, j'étais malade, j'avais de la fièvre et j'étais restée à la maison pour faire une sieste pour tout l'après-midi. Et mon père était dans la cuisine du gâteau ou le repas pour le soir, je ne sais plus très bien. J'ai fait ce qu'on appelle un rêve de projection astrale. C'était un rêve flottant, donc je volais doucement près du plafond et je voyais tout ce qui se passait en bas. J'ai eu l'impression de flotter au-dessus de moi et de voyager dans la maison et de me retrouver dans la cuisine à regarder mon père qui préparait ce qu'il était en train de préparer. Et là, par la porte du balcon, je vois tout d'un coup un énorme chat botté, un chat roux juste comme dans le conte, mais pas très sympa, vraiment agressif. J'avais une impression que dans ce rêve-là, il s'était passé quelque chose avec mon père. France. Ouais. Quelle région? Strasbourg. Strasbourg. D'ailleurs, je vais chanter à propos de Strasbourg, là. Bien, c'est... Ah, c'est la France. Ah, attention, hein, faut pas nous chercher les Alsaciens à propos de ça, hein. Thank you.
Attends-toi au pire. Si ce main, je tâcherai de m'en rôle. Et je m'embrouille la boue pour ne pas te. I've got a video from the concert in the Ziptop pub I gave for the Lady Fest people on the in March, and I have the black cat face again, and so it's quite nice video and stuff, and there is a girl from the NAP, is living in Utrecht as well. She just commented a nice video and stuff, was talking about and why do you have your face in black and stuff. But I think she already saw me playing in the Netherlands, you know, and stuff. But she was like, yeah, I explained her the black cat and stuff, and then she's like, oh, you maybe don't do that in Netherlands because of Zwarte Piet, it has really bad connotation and stuff. And I was like, but I already played thousands of times in Netherlands like that, you know, and there was never a problem. Did I tell you the story that I got arrested for what they thought was stealing? It was stupid. I was in line and I wanted to buy a t-shirt or something. So I went into a shop and I walked around and I fitted two t-shirts and I put them back and I didn't like them. Then I walked out and I was like 3 meters out of the store and suddenly this big guy grabs me by the neck and he puts me back inside. And then he said, yeah, I'm the police, you have to come right now, blah, blah, blah. And I said, okay, what the fuck is going on? They come walking, you know? And they put me in this little cabin in the store. I said, yeah, don't lie, give the jewelry, blah, blah, blah. And then they came with 3 more cops and 2 security guards. And they had me put all my stuff off and they frisked me 3 times. And they put it back and, yeah, take it off again. And then obviously they didn't find any jewelry. So then they said, yeah, because we've been following you ever since you came in the store. And I was there for half an hour. We missed some jewelry and we know you took it. There was like 1,000 people in the store. You arrested all of them, you know? So when are you taking the train? It's 5 to 5, so it's in like half an hour from now, I guess. Yep. You're ready to go? Huh? You're ready to go? Yeah, sort of. I've got basically all my stuff packed. Yep. I just want to remove the dog hair a bit from the living room. And then I'm all set. Okay. D'un moment particulier à Strasbourg en hiver, et il y avait toujours cette bande de Tchèques avec qui je traînais pas mal dans la rue, et j'avais mon petit amoureux dedans qui était donc un petit jeune Tchèque,
Donc on a décidé d'aller se poser sous une des arches. Il y avait ces arches un peu partout dans Strasbourg où il y a souvent les SDF qui dorment en dessous. On a installé les sacs de couchage, on a tous aligné, un peu comme des sardines. Bien serrés les uns contre les autres pour pouvoir se tenir chaud. Et il y avait ces gros flocons qui tombaient, qu'on voyait juste comme ça par les portes des arches. Et on était là. Et donc on était tous là, couchés, les uns à côté des autres. Et donc moi, avec mon amoureux de cette époque-là, les uns contre les autres, à se tenir chaud, à partager une bouteille de vin et puis à regarder ce film un peu bizarre. Ça va. Dors, dors, dors. Thank you.
avachit la neige, blanche et dormante. Ni branche, ni même le début d'un petit bourgeon. Mais oppressé de ma poitrine, mon cœur essaye de s'échapper. Et aux grands airs, libre, je me confie. Stephen King's kind of a science fiction story about like this huge mutant rats and then with these drawings of like it's a creepy story. It's Stephen King. Yeah, he did a lot of creepy stuff where just taking phobia of people and turning them in worst. One of his first book, Jessie, and it's talking about this woman who's like she's going with her husband in their like house near a lake, and the guy like they have these kinky games, and he's like handcuffing her to the bed and stuff. But at some point, he's doing something which is like hurting her or something. So she has the reflex to push him, and he falls down, and then he has an heart attack, and he's dying there on the floor, and she's handcuffed to the bed. And there's nobody around, and it's like all the book is about her struggle to survive, because she's there alone, and like how to get out of the handcuff, and she's like starting to starve, and having like, and there's just this glass of water on the shelf, and she's like managing at some point to have make it falling down, get a piece of glass, and just like she's just cutting her wrist like to make the blood and be able to get out of the handcuff, you know. Funny. It's good now. I can let it.
Du bout des doigts, suis les pierres froides, humides des murs de la ville. Fil d'Ariane invisible qui me guide à travers des méandres de la nuit. Lumière plafonne de lampadaire au hypnotise. Mes pieds se fondent dans le sale. Macadam, macadam, velou. Macadam, sang, tu nous envoies en l'air. Tu vas prendre l'accordéon alors, un jour. Hein? J'ai déjà fait. T'as déjà fait l'accordéon, mais c'était aussi, je me rappelle une fois. Hein, avec non, moi. Non, c'était pas moi. Mais c'était avec ma dame qui vient toujours dans mon école. Ah oui, d'accord. Avant. Je vais faire une autre chanson. Hein, vous pouvez essayer encore après. Marche tranquille, marche tranquille. Je suis dans la ville, je suis la ville. Alice au pays des merveilles, désenchantée. Ne touche jamais le fond, mais reste en suspension. Le monde nous est plus aussi réel que ces étés où nous nous sommes rencontrés. Et tu deviens fou et je palpite au cœur de tous ces mondes exaltés. On pleure parfois, mais cela ne s'arrête jamais. Marche tranquille, marche tranquille. Je suis dans la ville, je suis la ville. Et là, de nouveau, pareil. Je commence par une espèce de projection astrale. Je flotte au plafond. Je vais jusque dans la cuisine, en flottant. Je vois mon père qui fait à manger, puis qui met le lait dans la casserole pour le soir. Et pareil, je retourne. Je vois ce chat botté qui apparaît à la porte-fenêtre du balcon. Et j'entends des choses qui se passent dans la cuisine, un fracas. Et je m'enfuis en courant. Je sors de la maison et je m'enfuis. Je cours dans le jardin. À regarder derrière moi et puis je vois le chat botté qui sort de la cuisine et qui court après moi et qui court après moi et je continue de courir et le rêve va comme ça et je cours et puis je me réveille. Juste pour la conclusion à ce rêve que j'ai fait plusieurs fois, le premier rêve qui est tourné toujours autour de mon père dans la cuisine, je sais que des années plus tard, mon père est décédé. Et je sais pas. C'était un mélange des contes d'enfants que je lisais, des inquiétudes d'enfants, et un univers merveilleux dans lequel on s'imagine en tant qu'enfant. Et puis la vie familiale de tous les jours. Une inquiétude et une panique.
She said never trust anybody and only rely on yourself. I always wanted to believe all lies that we drink from everywhere. I lost my freedom for one the others told me. And I spent so many days with closed eyes. I will not cry anymore. And my hatred tomb from my veins. Thrown to the ship. I prefer to live too much until I soon death than die slowly sitting on my shit. This is my will, my promise of nothing, my pathetic addition to this human swarm. Dervish Tuner, I want to die awake. Dervish Tuner, I want to die awake. This is not an end and not a beginning. It's just more chaos. More chaos. I'm here now, home. I will fuck you as much as I will love you if I can. Yes, if I can.